Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale. Ce sont mes 10 astuces pour avoir de beaux cheveux. Donc, du coup, je vous ai filmé mon rituel, on va dire, pour mes cheveux. Et je vous explique en détail les produits que j'utilise et comment je les utilise. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais de très gros bisous et je vous laisse visionner cette vidéo. Ciao! Visionnez ma routine capillaire pendant que je vous explique mes 10 conseils pour avoir des beaux cheveux et des cheveux qui poussent très vite. Première astuce, nourrir ses cheveux une fois par semaine en profondeur. Donc à l'aide d'une huile sur cheveux sales, poser sur la totalité des longueurs et laisser agir quelques heures, voire toute une nuit. Astuce numéro 2, masser son cuir chevelu pour activer la circulation sanguine et permettre ainsi la pousse plus rapide des cheveux. J'ai utilisé l'huile Vatica aux amandes et au sésame. Je vous mets toutes les références en barre d'infos. Astuce numéro 3, attacher ses cheveux dès que possible avec un élastique adapté. J'utilise l'élastique ressort de chez Sephora. Astuce numéro 4, utiliser un shampoing adapté à son type de cheveux. J'utilise le shampoing Big de chez Lush au gros sel marin qui permet de donner du volume aux cheveux. Astuce numéro 5, espacer les shampoings en nous aidant avec des shampoings secs. Au fur et à mesure, les cheveux graissent moins vite. J'utilise ensuite l'après-shampoing de chez Natura de la gamme Écosse. Pour cheveux abîmés et fragilisés. Astuce numéro 6, protéger ses cheveux des agressions extérieures à l'aide d'un soin thermoprotecteur par exemple.
petite astuce bonus, quand on se sèche les cheveux, ne pas les frotter contre la serviette. Il faut juste enrouler la serviette et laisser l'humidité s'imprégner dedans. Astuce numéro 7, nourrir ses longueurs. J'utilise pour ce faire l'huile Healing Oil Spray de chez Macadamia en pchit. Astuce numéro 8, utiliser une brosse qui limite la casse. J'utilise ici la Tangle Tease qui va éviter que les cheveux en mêlée s'arrachent au brossage. Voici l'huile dont je vous ai parlé. Astuce numéro 9. Évitez au maximum les produits chauffants. Les sèche-cheveux, les lisseurs, les boucleurs sont très mauvais, fragilisent le cheveu et même le soleil. Et pendant que je finis ma routine, astuce numéro 10, il faut au maximum avoir une alimentation saine et au minimum, au moins j'ai une astuce, c'est de boire du thé, le thé vert, qui est un atout quand on n'a pas le temps de manger sainement. Donc une tasse de thé vert, si possible encore mieux avec du miel à la place du sucre et quelques gouttes de citron, ça va permettre d'avoir des cheveux beaucoup plus beaux au fur et à mesure que le temps passe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.